Rappelons que la première ligne de défense est le système complément. Les bactéries extracellulaires peuvent être attaquées par la voie alterne du complément et par les anticorps et tuées à travers la voie classique du complément. Ainsi, les anticorps et les protéines du complément vont agir comme opsonines, facilitant l'enveloppement et la destruction par phagocytose. Dans le cas des bactéries intracellulaires, comme vous le voyez sur cette figure, par exemple Salmonella et Brucella, les bactéries vont contourner le système immunitaire et vont coloniser les cellules de l'hôte, comme les macrophages et les monocytes. Par la suite, le système immunitaire contre-attaque par une réponse à médiation cellulaire et par la libération de cytokines pro-inflammatoires, dont l'IL-12 et l'INF-gamma, qui vont stimuler les monocytes et les macrophages à tuer les bactéries intracellulaires. Rappelons que l'anticorps est un composant du système immunitaire. L'anticorps donc va agir comme un adaptateur qui unit un microbe à un phagocyte. L'anticorps se lie à une région d'un antigène, un épitope, à la surface du microbe en utilisant des sites de liaison à l'antigène. Ces sites se trouvent dans les régions Fab de l'anticorps, la tige de l'anticorps, la région FC, peut s'attacher à des récepteurs à la surface des phagocytes. Ainsi, ces anticorps, liés aux cellules impliquées dans la réponse humorale, vont permettre l'élimination physique des pathogènes, cellules de l'immunité innée à vocation phagocytaire ou cytotoxique. Cette interaction va permettre aux anticorps d'activer le système complément. Cette interaction va activer aussi les cellules effectrices et interagit avec des récepteurs aux fragments FC des immunoglobulines, c'est-à-dire le récepteur FC, qu'elles expriment à leur surface. Cette interaction va permettre une phagocytose et dégradation des particules opsonisées. Elle va permettre une cytotoxicité dépendante du complément, le CDC, et une cytotoxicité dépendante des anticorps ADCC. Prenons l'exemple d'une réponse immunitaire à une infection bactérienne extracellulaire avec une porte d'entrée cutanée. Vous savez que à l'état basal, l'épiderme joue une barrière physique naturelle empêchant la pénétration de la bactérie pathogène. Cette protection est renforcée par la flore commensale cutanée ainsi que la présence de peptides et d'enzymes antibactériens. Suite à une lésion cutanée, coupure ou piqûre, il en résulte une rupture de cette barrière qui va favoriser la pénétration des bactéries dans l'organisme. Arrivé au contact de l'agent pathogène, il va y avoir reconnaissance des signaux de danger, les PAMP, par les cellules immunitaires innées résidentes du tissu sous-cutané, comme les macrophages et les cellules dendritiques immatures. Ceci grâce à des récepteurs de reconnaissance de motifs, les PRR, qui se lient à des motifs moléculaires, les PAMP, ce qui va permettre leur internalisation par phagocytose, puis initier la réponse inflammatoire. La principale conséquence est une modification de la perméabilité vasculaire permettant aux cellules et aux protéines sanguines de traverser l'endothélium, en particulier les granulocytes neutrophiles, les immunoglobulines et le complément. Cette étape se caractérise par une vasodilatation et attraction des cellules immunitaires. En parallèle, les cellules dendritiques immatures, suite aux signaux de danger reçus, entament un processus de maturation et migrent vers les organes lymphoïdes secondaires, où elles vont interagir avec les cellules du système immunitaire adaptatif,
les lymphocytes B et les lymphocytes TCD4, capables de reconnaître les antigènes bactériens via leurs immunorécepteurs de surface. Cette interaction tripartite est indispensable afin d'engendrer une activation efficace des lymphocytes B et T qui vont alors proliférer de manière clonale et donner naissance à des lymphocytes mémoire qui joueront un rôle crucial dans le cas d'une deuxième infection. Les lymphocytes B activés, générés, poursuivent également leur maturation afin de devenir des plasmocytes, cellules productrices d'anticorps dirigées contre les protéines bactériennes qui diffuseront dans l'ensemble de l'organisme via la circulation sanguine. Au niveau du site d'infection, ces anticorps auront la capacité de détruire directement les bactéries par activation du complément ou bien de favoriser leur phagocytose par les macrophages. Une fois que l'ensemble des bactéries est éliminé, un certain nombre de processus permettent la réparation tissulaire, étape importante, afin que l'intégrité de l'épithélium soit retrouvée et sa protection restaurée. Certains mécanismes spécifiques permettent l'élimination des bactéries. En effet, si les bactéries se multiplient plus rapidement que la capacité de phagocytose des cellules, la réponse immunitaire adaptative est déclenchée. Les cellules dendritiques présentent alors leur antigène aux lymphocytes TCD4 naïfs qui vont se différencier en deux sous-populations de cellules T auxiliaires ou helper, TH1 et TH2, avec des profils cytokiniques différents. Comme vous le voyez dans la figure, les TH1 expriment l'interleukine 2, l'INF-gamma et le TNF-alpha, alors que les TH2 expriment l'interleukine 4 et l'interleukine 10. Et comme les cellules infectées par les bactéries intracellulaires doivent être éliminées, les cellules dendritiques activent les cellules T, lymphocytes T, par la voie TH1 pour produire les lymphocytes T cytotoxiques. Ainsi, le macrophage est activé par les cytokines de type IFN gamma pour augmenter ses capacités de destruction. Ce qui est intéressant de signaler est que la réponse TH1 n'empêche pas la production d'anticorps. En revanche, dans le cas des bactéries extracellulaires, le complément, les macrophages et les polynucléaires neutrophiles ont un rôle fondamental. Ainsi, la phagocytose permet aux cellules dendritiques d'initier la réponse immunitaire spécifique par la voie TH2 en produisant des anticorps spécifiques, anticorps antitoxines contre les bactéries.